congolais. Les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience le lundi 10 juillet 2023, M. Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération bilatérale, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et l'effet des routes de Luanda et de Nairobi. Au sorti de cet état-à-tête, le diplomate français s'est félicité des échanges de vie qu'il a qualifiés dit-il, est constructif. Oh ben vous savez, le dialogue avec le vice-premier ministre, avec M. Jean-Pierre Bemba, est toujours abouti à des ouvertures très positives. Ben évidemment, nous avons parlé de nos coopérations militaires de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et l'unité toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc nous avons évoqué ces sujets comme nous le faisons régulièrement. Nous avons une coopération militaire de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également, nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'Est, bien évidemment. Et donc, nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Bah, notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. C'est la feuille de route de Luanda qui doit être, qui est le fil directeur de toute action. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Il y aura une réunion demain à Goma, d'ailleurs, où le vice-premier ministre se rendra, et qui vise en quelque sorte à rendre plus effectif et visible et immédiat le processus de pré-cantonnement, puis de cantonnement. Et c'est à ça que tous doivent travailler. Donc la mise en œuvre du processus, je dirais, de la feuille de route de Luanda. Et nous constatons qu'il y a eu au cours des dernières semaines beaucoup de mobilisation diplomatique au niveau régional, et ça nous le soutenons, nous l'encourageons fortement. Mais nous serons présents, nous serons comme observateurs, nous avons été sollicités pour y être, et nous suivons cela attentivement, bien évidemment. Lancement ce mercredi 12 juillet 2023 à Goma du contrôle des effectifs militaires sur toute l'étendue du Nord Kivu. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur des provinces et le lieutenant général Constant Dima Kongba, le même qui a été le premier à subir les contrôles décidés par la hiérarchie. L'objectif visé est de maîtriser les effectifs des FARDC afin de prendre des mesures ou dispositions utiles. Ces opérations lancées dans l'enceinte de la 34e région militaire sont assurées par une délégation de l'inspection générale des
forces armées de la République démocratique du Congo. Selon le général-major Ngonga Bolamba Basile, inspecteur général adjoint en charge de l'administration et logistique, ses collaborateurs devront atteindre tous les hommes des troupes dans différentes lignes de front. Le général-major Ngonga Bolamba indique que le contrôle en question durera au moins un mois. Que le commandant régional, le gouverneur militaire a bien précisé. C'est-à-dire que notre mesure, c'est une mesure de contrôle. Nous devons au moins maîtriser les effectifs de l'armée. Par ce système, par ce nouveau système technique, avec de nouveaux matériels qui vont servir à ce qu'on puisse identifier les hommes. Oui, le message que je peux adresser aux hommes de troupes, c'est de faire confiance à l'inspection générale, qui est en train de faire un travail pour notre intérêt tous. Et je voudrais que les militaires sachent, parce qu'il y a trop de bruit, des gens disent l'argent est bloqué par l'inspecteur général ou l'inspectorat général, ou soit. Non, l'inspecteur général ne bloque pas l'argent. On fait les rapports des gens qu'on a vu. Si on ne vous a pas vu, on ne vous a pas vu. On dit non vu. Et à ce moment-là, quand on fait les rapports au ministère de la Défense, on dit nous avons trouvé 5. Il y a 5-2 non-vus, ceux-là, on déclare, on ne les a pas vus. Et l'inspection générale, l'inspecteur général n'a pas de caisse pour garder l'argent du militaire. Il faut dire qu'à l'issue de ces contrôles physiques, des effectifs, de nouvelles cartes biométriques seront remises aux militaires. Signalons que le gouverneur a saisi l'occasion pour animer une parade au cours de laquelle il a rappelé le respect des règlements militaires. Ce lundi 10 juillet 2023, une délégation des services généraux à la Défense nationale de la RDC, conduite par le général de brigade Kibulungu Bumona Polidor, directeur de ses services, est arrivée à l'état-major de la 12e région militaire pour effectuer le contrôle physique du personnel civil œuvrant à la 12e région militaire qui a été réunie dans la salle 3 des réunions. Le général de brigade et directeur des services généraux de la Défense nationale de la RDC a expliqué à son auditoire la raison de ce contrôle physique. Il a accordé à son auditoire la liberté de poser des questions qu'à 3 personnes et a répondu aux préoccupations de ces 3 personne. À la sortie de la salle, il a répondu aux questions de la presse militaire de la 12e région militaire. Ce contrôle concerne effectivement le contrôle physique des effectifs et aussi ça nous permet de savoir, selon les instructions du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est payé et qui n'est pas payé. C'est par la suite, à la fin des travaux, nous allons remettre les rapports à la hiérarchie. Présence de la mission AOA, Isa, Kaka, Pona, Yago, Sala, contrôle, il y a personnel civil, Dengue, Tindami, Nabakonzi, la défense, personnel civil, Ezali. Catégorie Moko Oyo, il y a agent et fonctionnaire, il y a carrière, il y a service public, il y a l'État. Oyo Baza pour travailler dans la défense. Alors, Bissot, pour la Koyeba, pour la Komona, ma personnel Wana, Obengi, Moto Songolo. Songolo aye à Telemi Bosonayo, Moni à la Kishio Mikanda Naye, Moni Mikanda, la Katia Fishwana, Zana Beteni, la Fisho Bazana, Zana Beteni, Moko, Nenge, Bakoye Bako, Ton de Sandenge, Sekanda Bakos. Depe et qu'on facilite Biso Koyeba, ce qui va foutre à Maka, ce qui peut foutre à Maka.
oyo afutamaka akoloba afutamaka oyo afutamaka te akoloba afutamaka rapport nyonso wana lebiso tokomeme pa ya bakonzi tokakisi na bakonzi ete tomonaki kuna bazalaki motuya boye na bango nyonso eza na motuya boye motango boye oyo bafutamaka eza mpe na motango boye oyo bafutamaka yango toza kosenga na bato nyonso bazala na controle parce que soki oza na controle te obanda kolelalela namoni ntango tosali na banana bandeko mosusu bazalaki na sur place na banana te ntango tosisi na banana toye na boma bango baye kolanda na boma mpona basala controle mais il faut mpe koyeba ke bandeko na biso mosusu biso tosali controle ndenge tozoba Le commandant du secteur opérationnel Ouélé a présidé la parade générale le lundi 10 juillet 2023 à l'état-major des 7 grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo situées au camp Evaza dans les territoires de Dungu à la province de Haut-Ouélé. Au cours de cette grande messe militaire, le général-major Kalonda Fambaka a centré son entretien sur deux points, à savoir la situation générale et la situation particulière. Dans sa causerie morale, la tête du commandement du secteur opérationnel Ouélé a expliqué que la situation générale reste relativement calme dans sa zone de responsabilité. Quant à la situation particulière, le général Kalonda a appelé à ses militaires à être présents au contrôle biométrique de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo qui se pointe à l'horizon. À cet effet, il a martelé sur la présence de tous les militaires à la parade et au service intérieur, ce qui est conforme au prescrit des règlements militaires. Sur ce, le T3 a été instruit d'organiser les programmes de REI, surtout pour les officiers, dans le but d'améliorer la capacité de prestations au service intérieur. À l'issue de cette causerie morale, le numéro 1 du secteur opérationnel Ouélé a épinglé un constat malheureux sur plusieurs cas de décès dont 80% est influencé au VIH SIDA. À cet effet, il a appelé l'assistance de se faire dépister en cas de maladie pour une prise en charge médicale. Il a toutefois fustigé les mauvais comportements de militaires qui se caractérisent par la consommation excessive de produits prohibés tels que l'alcool et du chanvre dans les positions. Tango yomoko ozali kubosa na deja ba mesure ya sécurité individuelle ndenge nini nakende koasire sécurité ya bainstallation basikiliza lokola baninabaza wana bango badimi wana oyo na mokazi akee kopema na ye esika na ye nasanbapa sala adapta na okindo wana te service intérieur da service oyo ezali permanent pe eza obligatoire na motu nyonso ozwi parade la parade eza obligatoire telecommanda secteur azala te me motu nyonso akoya na parade puisque telecommanda secteur azali te aza na représentant na ye qui est l'officier supérieur SMN. De Moutoyo, Aza pour remplacer Erwana, le commandant. A Kojua, Mikindo, non, dit, Okolobera Batu, boye. Alors, Moutoumou, c'est le premier Aza Lawana. Donc, on a dit, non, non, on a dit, 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 on
A noter qu'une délégation de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo est déployée à la troisième zone de défense pour les contrôles des effectifs. Le stagiaire de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ESAM, ont clôturé ce mercredi 12 juillet 2023 leur série de visites d'études à Yaoundé dans le cadre du voyage d'études qu'ils effectuent depuis le 8 juillet dernier au Cameroun. Avant de se rendre ce jeudi 13 juillet à Kribi pour la poursuite de ce voyage d'études, le 27 stagiaire de cette école militaire de la RDC du niveau master qui forme les officiers supérieurs des pays membres de la CIAC dans les domaines de l'administration, budget, finances, statuts légaux et autres, ont pris part ce mercredi 12 juillet 2023 sous la conduite du général de brigade Elumba Monga, commandant de l'ESAM, à plusieurs séances de travail dans différents établissements militaires et civils de Yaoundé. Ils se sont rendus tour à tour à l'école nationale d'administration et la magistrature. Ici, c'est dans les grands amphithéâtres Jacques Meunier de ces hauts lieux de savoir dans les domaines d'administration et de la justice que les stagiaires ont assisté à l'exposé sur la contribution de la justice militaire au relèvement des défis sécuritaires au Cameroun. Cette séance de travail a été marquée par des échanges fructueux à travers les jeux de questions-réponses entre les stagiaires et les cadres de cette institution. Bertrand Pierre Soumbou, directeur général de cette école, a salué les rapprochements entre ces deux établissements spécialisés dans les domaines de l'administration. Dans le cadre du maudit soutien pétrolier dispensé à l'école supérieure d'administration militaire, les 27 stagiaires de cette école se sont rendus ensuite à la société camerounaise des dépôts pétroliers pour apprendre notre expérience sur la logistique pétrolière. Un accueil chaleureux a été réservé à la dite délégation et des échanges sur la sûreté et la sécurité de la SCDP ont été organisés pour éclairer la lanterne des stagiaires. S'en est suivi d'une visite guidée de ces sites pétroliers et c'est dans les après-midi que les stagiaires de l'ESAM se sont rendus à l'école internationale des forces de sécurité pour boucler leur série de visites d'études à Yaoundé. Après échange des cadeaux et la signature du livre d'or, le commandant de l'ESAM a livré ses impressions. Nous avons visité l'école nationale d'administration du Cameroun parce que c'est une institution d'enseignement dans le domaine de l'administration tout comme l'école supérieure d'administration militaire. Et la descente sur le terrain nous a démontré qu'il y avait aussi un autre lien. Il y avait la formation de militaires comme premier module. Et c'est une formation qui permet de produire des réservistes. À part ça, il y a la magistrature militaire. Deuxièmement, nous avons visité l'entreprise qui s'occupe de la logistique pétrolière. Là, l'idée nous est venue du fait que nous avions aussi visité en République démocratique du Congo la CEP Congo qui fait la même chose. Donc, nous avons voulu, à titre de comparaison, voir si c'était un peu dans la même matière que ces deux sociétés évoluaient. Et la troisième visite, c'est l'école internationale des forces de sécurité. Ici, c'est vraiment une référence en matière de formation de très haut niveau. Donc, l'école internationale des forces de sécurité ne vont pas passer ici au Cameroun sans la visite. Signalons que les mardis 11 juillet 2023, des visites analogues ont amené respectivement les stagiaires de la 6e promotion de l'ESAM à la direction du commissariat interarmé du ministère de la Défense camerounaise, une direction qui s'occupe du vol, solde, des militaires, mais également à la direction du budget et des équipements de ces mêmes ministère et enfin au Centre national de production de passeports. La haute cour militaire a pris en délibéré jeudi 6 juillet 2023 à Kinshasa, la requête en liberté provisoire du prévenu général de brigade Zéloa Katanga Djadjidja. La cour rendra son arrêt avant dire droit. Quant à ce, à l'audience du jeudi 13 juillet 2023, l'auditeur général ministère public a retenu à charge du général Zéloa, ancien commandant adjoint de la 3e zone de défense, chargé de l'administration et de la logistique, les infractions d'association de malfaiteurs et d'assassinats. Cet officier des forces armées de la République démocratique du Congo est poursuivi dans le dossier qui oppose l'organe de la loi au général d'armée Numbi Tambo John pour assassinat de messieurs Chebeya Floribert et Bazana Fidel commis le 2 juin 2010. Lorsque vous examinez cette requête, il est clairement indiqué que la détention actuelle dont fait l'objet notre client est totalement irrégulière parce qu'elle n'est assise sur aucun acte régulier des procédures. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que
Lorsque vous l'avez identifié tantôt ici, il vous a donné son adresse et que vous allez vous rendre à l'évidence que son adresse est bel et bien connue. C'est un général des forces armées congolaises et que sa fuite n'est pas à craindre. Le tournoi Zango et football entre grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo, garnison de Kinshasa, s'est clôturé ce jeudi 6 juillet 2023 au terrain de l'état-major général au camp lieutenant-colonel Kokolo. L'équipe de football de la garde républicaine a remporté cette compétition en battant l'équipe d'éducation physique et des sports au tir au but. L'équipe du corps des troupes de transmission s'est classée à la 3e place, terminant la 14e région militaire par un score de 6 buts à 2. Pour les Zango, l'équipe de la force navale a pris la première place, suivie de la 14e région militaire et le corps de santé militaire en 3e position. Cette compétition sportive a été organisée dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. 6 jours durant, la cérémonie de clôture a été présidée par le général-major Kizimu Mbuyu Stazin, commandant 14e région militaire, commandant place ville-province de Kinshasa et président du comité d'organisation du tournoi à présence du général-major Kipongo Bora Théophile, sous-chef d'état-major en charge de la logistique à l'état-major général et représentant personnel du chef d'état-major général empêché et de plusieurs commandants de grandes unités des FARDC de la garnison de Kinshasa. Prenant la parole, le commandant 14e région militaire a salué cette initiative du chef d'état-major général qui renforce l'esprit du corps au sein de l'armée. Il vous souviendra qu'à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo avait décidé que nous puissions fêter autrement. Naturellement, la fête du 30 juin a toujours été caractérisée par le défilé imposant, le défilé des forces armées et d'autres forces vives, mais au moins pour cette fois-ci, le chef d'état-major a estimé qu'il était important qu'un tournoi sportif soit organisé. Et deux disciplines ont été retenues. Il s'agit du football et des zango. Ceci étant, qu'il me soit permis de remercier d'abord le chef général des forces armées pour la confiance qu'il a placée en moi, en me donnant la présidence de ses activités et leur organisation. C'est ici qu'il faudra aussi reconnaître et remercier les efforts du grand commandant des grandes unités qui nous ont accompagnés dans l'organisation et qui ont stimulé le responsable respectif de leurs équipes pour que leurs équipes répondent favorablement au tournoi qui a été organisé. Après la remise des trophées aux trois premières équipes gagnantes, aux Zango et football, le lieutenant-colonel Luzolo T3 adjoint de la garde républicaine a exprimé ses sentiments de joie à la caméra des communautaires. De la République du Congo qui a initié ce tournoi que le chef d'état-major général a organisé pour commémorer le 63e anniversaire de notre pays à l'indépendance nationale. C'est vraiment génial. À son temps, nous l'avions eu l'habitude de commémorer seulement avec les militaires. Et cette idée-là, que nous puissions savourer non seulement les militaires, mais avec aussi nos dépendants par rapport aux équipes de Zango, par rapport aux résultats. Je pense que nous avons été meilleurs. Donc là, nous l'avons mérité, parce qu'il y a eu un encadrement. Donc là encore, merci au commandant de la République qui a mis les militaires.